Ah, mais tu es bête, il répond toujours à côté de la plaque. Ah non, c'est pas possible, elle est pas ici. Non mais où est-ce qu'elle est, Lily Rose? Ah, il est 3h du matin, ça va faire des heures qu'on la cherche. Non mais Valentin, tu vas pas me dire que tu l'as pas trouvée? Bah non, j'ai pas trouvé, elle était pas dans sa chambre. Non mais on a fait tout le tour du quartier, on a appelé la police, on a appelé les pompiers, elle est pas là. Oh là 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 là, non mais là si elle nous fait une blague, c'est vraiment pas drôle. Bon, salut à tous les amis, on espère que vous allez bien. Nous là, ça va pas du tout, vous allez très vite comprendre pourquoi. On démarre cette vidéo, on est déjà terrifiés. Vous allez comprendre, on va vous expliquer. Là, Lily Rose, aujourd'hui, elle était à l'école. À l'heure où on tourne cette vidéo, on est lundi. Donc, c'est son premier jour d'école de la semaine. Et normalement, elle devait rentrer à 17h. Voilà, parce qu'elle devait terminer le collège à 17h. Depuis 17h, aucune nouvelle de Lily Rose. On ne sait pas où elle est passée. Et là, bah, il est quelle heure? Il est 3h du matin déjà. Ah oui, déjà 3h du matin. Enfin, elle est censée être là. Non, mais 3h du matin, on est en pleine nuit. Là, dehors, il fait nuit. Enfin, vous l'avez vu là quand on est monté. 3h du matin, il fait nuit. On a appelé la police, les pompiers. On a appelé l'école de Lily Rose. Ils n'ont aucune nouvelle d'elle. On ne sait pas où elle est passée. Et là, on fouille notre maison. Parce qu'en ce moment, Lily Rose, elle n'arrête pas de faire des blagues. Bon, pour tout vous dire, en ce moment, elle n'aime pas du tout aller à l'école. Parce qu'elle a plein de problèmes avec des pestes à l'école. Il y a des gens qui étaient ses amis avant, l'année dernière. Et maintenant... Attendez, on va aller vérifier dans le jardin. Lily Rose, t'es ici? Lily Rose, si t'es là, c'est pas marrant. Non, elle est pas là. Bon, écoutez, on va rentrer. Je sais pas ce qu'on peut faire. Et du coup, je vous disais, donc l'année dernière, il y a des gens qui étaient ses amis. Voilà. Maintenant, cette année, c'est devenu des pestes. Du coup, depuis la rentrée, ça fait un mois qu'elle me dit « Je veux plus aller à l'école. J'en ai marre d'aller à l'école. Je veux plus y aller. » À chaque fois, elles me font des pranks. À chaque fois, elles font des bêtises avec moi. Enfin bref, elle est totalement démoralisée. Et là, du coup, on la voit plus. Depuis, normalement à 17h30 maximum, elle est rentrée à la maison, le temps de revenir jusqu'à la maison, et là, rien, mais rien de chez rien. Le collège, on l'a appelé, ils nous disent, ouais, bah Lily Rose, peut-être qu'elle est partie, je sais pas, avec une amie, elles sont allées manger quelque part, tout ça, enfin bref, n'importe quoi, elle fait jamais ça. Du coup, on se demande ce qui se passe. Attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, c'est le directeur de l'école qui m'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il m'appelle? Attends, viens, Valentin. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi il m'appelle? C'est quoi ce truc? Allô, monsieur? Allô? Comment ça? Mais c'est une blague! Non mais, comment vous avez pu faire ça? C'est... Non mais c'est un scandale, là! Nous, on cherche Lily Rose depuis 17h. Non mais attendez, ça fait 10h qu'on cherche Lily Rose. Là, il est 3h du matin. On a appelé la police, les pompiers. Non mais comment ça? Bon, écoutez... Je raccroche. Non mais attends. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ils viennent de me dire, ouais, on a trouvé les affaires de Lily Rose dans le collège. Et ils pouvaient pas nous... Non mais dans le, dans le collège. Non mais... Attends mais viens, c'est une blague. Bon là les amis, je viens d'avoir le directeur au téléphone et il m'a dit, ouais c'est bizarre, on a trouvé le sac de Lily Rose, le manteau de Lily Rose dans le collège et on a regardé les caméras parce que dans le collège de Lily Rose il y a plein de caméras de surveillance et ils ont pas trouvé Lily Rose, c'est-à-dire que Lily Rose est pas sortie du collège, ils en sont sûrs. Bah elle est toujours au collège alors, faut aller la chercher. Bah elle est toujours au collège mais à 3h du matin, qu'est-ce qu'elle ferait au collège? Je sais pas, elle est peut-être en train de se cacher, elle a pas envie de rentrer. Enfin, sur les caméras de surveillance, ils ont regardé, ils ne l'ont pas vu sortir. Bah Lily alors, faut qu'on aille la chercher maintenant. Mais on va pas aller au collège à 3h du matin, qu'est-ce qu'on va aller faire? Bah chercher Lily Rose. Non mais attends, on a fouillé toute la maison, on a fouillé toute la ville. Là il y a la police qui est en train de chercher dans toute la ville, il y a les pompiers, on a appelé les pompiers. Mais t'as une autre piste? Non mais c'est une blague. Moi j'ai prévenu les abonnés. Bon écoutez les amis, là on n'a pas le choix. Ouais. Si c'est ça, il faut qu'on aille au collège. Bah oui, on n'a pas le choix. Allez, on y va maintenant parce que... Bon, les amis, on prend la voiture. Bon, Peppa Pink, évidemment, bah, il n'attend pas. Il est parti chercher dans toute la ville. Il est parti chercher, il a pris sa trottinette. Il est en train de chercher dans toute la ville. Bon, allez, Valentin, là. Ouais. Mais, non, mais prends pas le chat. Mais si, il va bien. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec le chat à l'école? Il va nous aider. Bon, non, ouais. Non, allez, pose le chat. Bon, les amis, du coup, comme vous le voyez, Peppa Pink, il est parti en trottinette dans toute la ville. Et nous, on sait plus quoi faire. Bon, allez, installe-toi. Okay. Oh, la lumière de ce garage qui marche plus. Allez, bon, il n'y a plus qu'à prendre la voiture. On se retrouve tout de suite au collège de Lily Rose, dans sa classe, en espérant que ça se passe bien. Et par contre, t'as intérêt à vraiment m'aider cette fois. Mais oui, t'inquiète pas. Je vais t'aider, ouais. On se rend au collège de Lily Rose. À 3h du matin. Je pensais jamais dire ça.
C'est incroyable. Regardez qui nous a suivis. Mais ah non mais regarde Valentin, pourquoi t'as pris le chat? Valentin a pris le chat dans la voiture. Pourquoi t'as pris le chat? Mais parce qu'il voulait venir avec nous. Non mais t'es un fou, qu'est-ce que... Non mais le chat il a rien à faire à l'école. Regardez-le. Il est tout gentil. Oh non mais chut, chut. Donc là on est devant la classe de Lily Rose. Enfin la classe de Lily Rose. Elle est censée être là. Bon ah non mais le chat est en train de s'enfuir. Non mais ah, laisse, abandonne le chat. Bon, on est devant la classe de Lily Rose. Ah là là, mais ils sont complètement fous. Ils sont complètement horribles, ces élèves. Dans son école, il n'y a aucune lumière allumée. Il n'y a personne, sauf dans cette classe où on entend du bruit comme ça. Ça tombe, Lily Rose, elle est restée à l'école la nuit. Pourquoi elle serait restée à l'école la nuit? Chut, écoute. Qu'est-ce qu'on entend? On entend des rires bizarres. Attends, oui. on va frapper. Vas-y. Eh oh, y'a quelqu'un? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Y'a quelqu'un ici? Oui, rentrez! J'entends un bruit. Vas-y, on rentre ou pas? Ok, vas-y, ouvre la porte. Y'a quelqu'un? Il est là! Ah, c'est quoi ça? Rentrez! C'est quoi ça? Rentrez, jeune homme! Ah, vous êtes deux! Mais vous êtes qui? Vous êtes deux! Vous êtes qui? Bienvenue dans ma classe! Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Installez-vous. Ça me fait trop peur. Non mais comment ça, installez-vous? Installez-vous, mettez-vous là. Non mais je veux pas m'installer. Non mais c'est quoi ce truc? Eh oh! C'est quoi ce truc? Ah mais regardez, c'est flippant. Vous êtes enfermés dans ma classe. Mais c'est quoi cette classe? Mettez-vous au fond. Allez. Oui, on va se mettre au fond. Toi, le pas bon, il oui, on va se mettre ici. Ah, Valentin. C'est non mais dans quoi on est tombé là? Mais je sais pas, enfin elle est trop bizarre la salle de classe. Non mais on est à l'école à 3h du matin. Il y a que des poupées hantées à la place des élèves. Ah, et même le prof. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici à 3h du matin? Bah on cherche salle maudite. On cherche Lily Rose. Lily Rose. Bah elle est là Lily Rose. Regardez. Elle est là Lily Rose. Comment ça elle est là Lily Rose? Lily Où ça Rose. Ah, ici. Calme. Mais c'est pas Lily Rose ça? Bah si. Lily Rose. Ah mais elle arrête pas de parler hein. C'est quoi ce truc? Posez-vous. Ah mais c'est flippant, c'est flippant. Ah mais c'est quoi ça? Alors, allez, asseyez-vous. Sinon, non, je vous transforme en poupée. Écoutez, vous faites extrêmement peur. Bon, écoutez. Qu'est-ce que tu fais? Écoutez-moi. Oui, qu'est-ce que tu fais? Enfin, je sais. Oh, regardez. Ah mais c'est terrifiant ce truc. Bon, écoutez, arrêtez avec vos livres maudits là. Laisse mon livre. Nous, maudit. On cherche Lily Rose. Elle est pas rentrée de l'école tout à l'heure. Et visiblement, l'école à 3h du matin, c'est... On se croirait dans un truc d'Halloween là. Uniquement si tu dis la formule magique qui est dans quoi mon livre. Attends, quoi? Je retrouverai Lily Rose uniquement si je dis la formule magique? Oui, mais... qui est dans mon livre. Mais tu ne l'auras pas. Oui, bon, écoutez, les amis, je pense qu'on va partir de cet endroit, d'accord? Non, bon, Valentin, viens. On va s'enfuir. On part d'ici, Oui, ici. Bon, allez, à demain, monsieur le prof, à demain. Restez. Vite, part d'ici. Non, part d'ici. Attends, mais c'est ça qui se passe à l'école à 3h du matin, du coup? Bah, on dirait bien. Et bon. Lily Rose, elle y est toujours? Non, Lily Rose y est pas, t'as bien vu que c'était pas Lily Rose. Oui, y a que des poupées hantées, des mannequins avec des yeux bizarres. D'ailleurs, faudra récupérer le chat en partant. Ah oui, c'est vrai, attends, bon, je vais le chercher. Nous, on va rentrer dans notre maison, en espérant que Lily Rose soit là-bas. Oh, ça fait vraiment peur. Bon, en tout cas, les amis, n'allez jamais à l'école à 3h du matin. Vous savez pas sur quoi vous pouvez tomber. Ah! Venez! Ah, restez dans votre classe. Oui, prends le chat. Bon, on va retourner à la maison. J'espère qu'on va y... Non, partez! J'espère qu'on va y trouver Lily Rose. Bon, les amis, là, on est 2 heures plus tard. J'étais dans la chambre de Lily Rose. Bon, je vais pas la réveiller. Là, maintenant, elle est en train de dormir. Bon, tout est bien qu'il finit bien. On a retrouvé Lily Rose. En fait, bon voilà, elle avait fait une grosse bêtise. Elle est partie avec une amie, voilà. Elle a voulu aller jouer au parc et ensuite elles se sont promenées. Ça a duré des heures. Elles sont rentrées à 4h du matin. Surtout, ne faites jamais cette bêtise. Voilà, parce que c'est vraiment une énorme bêtise. Hein. Vraiment, là, on n'est pas content. Mais bon, dès qu'elle est rentrée, elle est partie dormir. On va la laisser dormir. On est allé à l'école de Lily Rose, au collège de Lily Rose à 3h du matin. Franchement, on n'aurait jamais dû faire ça. Là, vu ce qu'on a vu. Bon, ça va, les chats sont rentrés. Il n'y a pas de problème.
On n'aurait jamais dû aller au collège de Lily Rose à 3h du matin, c'est une catastrophe. Le prof, ça devient un monstre. Les élèves, ça devient des monstres. Enfin bref, du coup, ne refaites pas les bêtises de Lily Rose. C'est vraiment une catastrophe. Nous, on l'a cherché pendant des heures. On a dû appeler la police, les pompiers, enfin bref. Bon, on va terminer cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous a plu de voir le collège de Lily Rose à 3h du matin. Pas nous, mais bon, en vidéo, ça devait être marrant. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et surtout, cliquez sur une vidéo qui apparaît sur votre écran. Allez voir une autre vidéo sur notre chaîne. Et nous, pour ceux qui veulent nous voir en vrai, rendez-vous le 19 octobre à Douai, à l'Hôtel de Ville. C'est dans le nord de la France. Le 19 octobre à Douai, le 19 octobre 2024. Voilà. Donc rendez-vous à l'Hôtel de Ville à 18h. À la prochaine. Ciao.